Avec un fixe la quantité du fromage utilisé. Donc, ça va aussi l'utiliser. Maintenant, 1 kilo d'huile. 1 kilo, c'est 1 litre, non? 1 litre, c'est moins d'un kilo. Ah, ok. Donc, on prend 1 kilo d'huile. 700 grammes d'huile de soja. La quantité d'huile passe en indice de sa fortification. Le soja, je crois que ça me fait un peu. Regarde, 0,137. 0,137. Pour l'huile de palmier, c'est 0,176. Ça me fait 148,7 grammes. Donc pour 1000 grammes d'huile, donc huile de soja et huile de palmier, soit la quantité de soude qu'on va utiliser. Bien, maintenant comme c'est un savon pour bébé, la soude c'est l'élément le plus dangereux du savon parce que ça chauffe. On va encore réduire 10% ici pour diminuer l'effet de la soude. Non, je ne sais pas. On doit faire moins 14,87. Ça me donne 133. La virgule là, je peux. On peut s'en passer. Donc j'ai 133 grammes de soude. La soude. Donc tu peux peser la soude. En fait, c'est la balance quoi. En précision. Après, au maximum 5 grammes, 5 kilos. 5 kilos. Ouais. Ok. Alors, on avait. L'eau était aujourd'hui. C'est la soude qu'on verse dans l'eau, c'est ça? On verse jamais l'eau dans la soude. Avec 350 grammes d'eau. Thank you.
30 à 33 grammes de soude. Mi sang, 100 grammes. Voilà. On verse la soude dans l'eau. Jamais l'eau dans la soude. Non, on prend 33 grammes de soude. Eh oui, c'est vrai. Vraiment. Voilà la vapeur qui dégage. C'est vrai. On ne doit pas trop inhaler. Et inhaler, oui, parce que le gaz est toxique. Pour faire le mélange avec l'huile. Alors en attendant, on peut peser l'huile. Bon, on va faire ça. Pendant que la soude refroidisse, on pèse le. Avec 700 grammes d'huile de soja. Pèse 700 grammes d'huile de soja. On a 742. On a cet arrêt faute. Là, c'est lui de Paris maintenant. On équilibre maintenant le mélange. Un peu plus d'huile, ça ne dérange pas. Oui, oui. Surtout que l'huile est bonne avec les pôles hydrophiles et les pôles hydrophobes de la peau du bébé.
Donc, comme vous dites, ils ont plus d'affinité pour. Il n'y a pas d'inconvénient, quoi. La soude, que si c'est beaucoup. Voilà, c'est la soude. Si la soude est plus élevée, ça peut être dangereux pour la peau de l'enfant. Ok. Alors, l'huile n'a qu'un apport bénéfique, quoi. On attend juste la soude. On mixe. Ah, c'est l'huile, l'huile, donc, comme vous dites, le mélange est automatique. Voilà. Alors, les polydophiles et polydophobes se reconnaissent. Non, 2% de glycérine, donc 20 grammes de glycérine. On a notre balance. Bénéfique pour la peau de bébé. On a arrivé là. Alors, verra la semaine suivante. Allez, on va mettre 5 ans. C'est plus que ça ici. 5 grammes, peut-être 50 grammes. On est à 77 euros, je crois. On va 41, 15 ans. 2008. C'est bon, 50 euros. Non. C'est bon. Dans l'eau, on verra. Ok. Oh, la vitamine C, oh, comme c'est une poudre, on va macérer un peu et ça va retrouver, il va revenir à son état initial. Plus doucement, on aura quand même quelques poudres. Ça, c'est un antioxydant pour la peau. Donc, qui va empêcher le vieillissement de la peau et rendre la peau très belle. 50 grammes, c'est ça? Non, 10 grammes. 10 grammes. Nous sommes bien 50 grammes. Ça n'a pas été compliqué comme on pense. Ah, avec un peu d'eau, on a réussi à dissoudre, mais il y a encore une solution au projet. Solution de vitamine C, 10 grammes. Ça permet de vite durcir le savon. Ah, le silica. Combien de grammes? Je tombe même le. Même 2%. Le silica. Donc, son rôle permet de vite durcir le savon. On va rapidement notre forme. En fonction du moule qu'on aura choisi en fait. Chaque moule a déjà un grammage. Arrêtez. Il n'y a pas de hasard.
glycérine, aloe vera, vitamine C, silica. On a la composition du savon. Oui, c'est ce que je te dis après. Le soude, tout est déjà préparé. Bon, là c'est le mixeur. Vous mixez toutes les solutions. Ma mère veut avoir quelque chose. Notre paillasse de travail avec notre robot mixeur. On rapproche tout le, toutes les solutions. Voilà le mixeur. Le parfum. Oui, voilà le parfum. Oui, c'est ça le parfum. Comme ça, on va pas trop sentir ici. Ah bon? Oh, il faut... bon. C'est à la fin qu'on aura un parfum arrêté. Mm-hmm. Parce que là, sur le coup, on ne peut pas dire que voici le parfum. Oui, oui, on met... Le parfum ne dépend pas de nous. C'est juste au niveau du lait que ça va avoir qu'il soit sorti. Il faut sortir. Évitez que la solution. Voilà, les mains. J'ai l'impression que le bol s'est butier. Ou ça va? Ça va? Ok. Là, tu viens de mélanger l'huile et la soude. Et la soude, voilà. Pour un premier mélange. Ça a encore exothermique. Ou en deux demi. Exothermique. Et ça chauffe vraiment. Ah, la coloration est belle. La l'aloe vera qui va casser ça tout à l'heure. Ah, la l'aloe vera va changer la couleur. Mais ça, c'est la soude qui a donné ce ton-ci. Ah oui, la soude met vite de soude également. Maintenant, c'est la quantité de l'aloe vera qui va donner maintenant la couleur définitive. Mm-hmm. La couleur définitive. On la rattrape. Allez, allez, crème, oh c'est le savon, donc on part en moule, Ok. Et les grammes de moule, on avait dit, ça dépendait, c'est ça? Mm-hmm. Ok. Bon, tu verses seulement. On va s'en parler que. Oui. Thank you.
faut verser le reste de la solution. J'ai mis un bon parfum déjà là. Ouais, mine de rien, ça sent quand même. Ouais. Le parfum est bon. Exactement, je ne suis pas encore de m'appeler. 150, 125, 125, 125. Okay. Ce sont les 100 grammes. La fabrication du savon est terminée. Rendez-vous quelques minutes pour démouler. Ouais. À la fin de cette première phase, la coloration n'est pas mal. Elle est appréciable. C'est un ton beige. Un parfum adorable. La coloration, l'aloe vera a donné une bonne coloration. Elle est vraiment... Elle est verte, blanche, vous voyez un peu quoi. Donc tout est mélangé là. Merci.